Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va terminer ensemble le Diamond Painting de Johnny Hallyday. Ça y est, j'arrive à la fin. Alors, vous allez voir deux parties sur le 2, comme ça. Deux parties sur le Diamond Painting. J'en ai fait une hier soir. Et j'en fais une aujourd'hui, que vous allez voir juste, à la fin de la vidéo. Donc à la fin de la vidéo, la deuxième partie, c'est la partie où je ne fais que du noir. Voilà, donc c'est un carré où il n'y a plus que du noir. Toutes les couleurs sont terminées, il n'y en a plus. Donc dans la première partie, vous verrez la fin des couleurs. Et la deuxième, donc, c'est tout ce qui est noir. Voilà. J'ai d'ailleurs déjà hier rangé toutes mes perles. Voilà. Donc, j'ai déjà remis tout en sachet. Je vais vous montrer. À part le sachet noir que je garde sous la main. Voilà. Donc, tous mes petits sachets sont déjà refaits. Voilà, le reste de mes perles. Donc, il m'en reste pas mal. Vous voyez. J'ai quand même des paquets où il me reste beaucoup, beaucoup de perles. Vous voyez, comme celui-ci, par exemple. Voilà. Donc là, toutes mes perles sont faites. Donc, j'aurais plus qu'à les ranger dans ma boîte, en haut. Donc vous voyez, il me reste tout ça en perles. Et donc, il m'en a pas manqué, du coup. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Que du coup, le kit, j'étais super contente de le faire. Il a été très, très agréable à faire. J'ai eu aucun problème pour coller les perles. Je n'ai eu aucun déchet de perles, surtout. Toutes les perles étaient nickel. Après, la colle a bien collé jusqu'au bout, hein, sur tout le kit. Voilà. Et bon, vous verrez à la fin, je vais vous remettre des photos. Vous verrez que, en fin de compte, il est. Enfin, en fin de compte, non. Il est très beau. Les couleurs donnent un très beau rendu du kit. On reconnaît bien la tête de Johnny Hallyday sur le kit, sans problème. Voilà. Donc, il ne me restera plus qu'à l'encadrer après. Bon. Mais bon, je vous referai un petit coucou à la fin de la vidéo. Et là, maintenant, on va terminer le petit carré de noir. Donc, il me reste un carré comme ça, à peu près, de 15 cm sur 15 à faire. Et je vous dis, juste avant, vous allez voir ce que j'ai fait hier soir. Et après, vous allez voir ce que je vais faire aujourd'hui. Voilà. Après ce kit, je vais commencer donc le kit de la femme tigre que je vous ai montré en unboxing, la dernière vidéo que je vous ai montré. Et donc ça, on le commencera, je pense plutôt mardi, demain ou mardi, je verrai. Voilà. Allez, on va attaquer. Comme ça, je serai tranquille. Enfin, je serai tranquille. J'ai un plaisir de le faire. Hein, il n'y a aucun souci. Et on se retrouve à la fin pour vous faire un bisou. Allez, à tout.
Thank you.
Comme vous avez vu, j'ai terminé le DP. Alors, je vais vous le montrer. J'enlève les bandes blanches. Le voilà. Le voilà terminé. Je vous montre de plus près un petit peu. Voilà. Donc, comme vous avez vu, bon, aujourd'hui j'ai fait beaucoup de noir. Hein. Je suis contente de l'avoir fini. Ah, la fifi, non, il n'a pas marché dessus, merci. Je suis contente de l'avoir fini. Maintenant, il va être rangé dans ma pièce en haut, en attendant de lui trouver un cadre quand on pourra, quand les magasins sont réouverts. Hein. Là, je vais lui donner un petit coup de rouleau à pâtisserie pour bien mettre à plat toutes les perles. Là. Mais bon, je le referai encore une fois au moment de l'encadrer. Hein, vous le verrez à ce moment-là. Sinon, bah, j'ai rien de plus à dire hein, qui était super. Alors, je rappelle que si vous êtes, que vous aimez ce kit, vous pouvez le trouver dans la boutique Mes Petits Diams. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos le lien de la boutique, le lien pour trouver le kit et le lien de la page Facebook de Coralie, hein, la responsable de la boutique. Et je vous mets également un code promo qui vous permettra d'obtenir de moins 10% sur votre commande, sur votre première commande, voilà, dans la boutique. Voilà, cherchez mes mots. Il commence à être tard là. Ouh, minuit 4. Mais bon, je voulais le finir. Ah, j'ai une perle qui veut bouger. Voilà, ça y est. Alors, je vais vous laisser parce qu'elle est vraiment tard. On se retrouve très rapidement donc pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures, de nouveaux DP, de nouvelles cartes, de nouveaux plein de choses. La suite de l'album que j'ai commencé, plein de choses. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.